La littérature et l'art sont les véhicules communs des sentiments universels, alors que la langue permet la communication. Je souhaite faciliter et enrichir ce dialogue entre deux différentes cultures à travers mes études ici en Belgique. Pour la Belgique, je ne suis que de passage, mais pour moi, la Belgique est une vieille amie. J'ai appris le français en Chine et j'ai fait mes études de licence et de master en langue et littérature française. Il y a 6 ans, je suis venue pour la première fois en Belgique pour des cours d'été à l'Université de Bruxelles. Cette année, je suis revenue en tant que chercheuse visiteuse pour préparer ma thèse sur Jean Cocteau, un grand écrivain. J'ai choisi l'Université de Bruxelles, surtout car il y a un grand expert de Jean Cocteau qui me guide dans mes recherches. Et de plus, la grande bibliothèque de l'université rassemble presque toutes ses œuvres dont j'ai besoin. Jean Cocteau est un écrivain français qui a marqué le XXe siècle. Il dit de lui-même qu'il est avant tout poète, et il insiste. Toute sa création est poétique, y compris ses romans, son théâtre, son cinéma, sa peinture. Nous allons maintenant au palais de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, où nous retrouverons Monsieur Yves Namur, qui nous fera découvrir le discours prononcé par Jean Cocteau quand il a été reçu par l'Académie en 1955. Ce que je vous ai réservé, c'est le discours de Jean Cocteau, Jean Cocteau lui-même parlant. Nombre de nos poètes ont une tête envers les vôtres. De cette tribune, c'est celui de Maeterlinck que je préfère et dont je jalouse amoureusement le réalisme irréel. Jean Cocteau a fait un fameux tour du monde en 80 jours et il a visité la Chine en fait. Il a écrit une lettre à un acteur chinois qui s'appelle Mei Lanfang et dans la lettre, Cocteau a écrit « Si je n'étais pas né en France, la Chine sera ma patrie ». Le premier roman que j'ai lu de Jean Cocteau, c'est Les Enfants Terribles. Il y a un monde enfantin, poétisé et théâtralisé, fascinant. Ma thèse porte sur le thème de l'enfance chez Jean Cocteau et je vais l'écrire en chinois. J'espère faire connaître au public chinois cet écrivain et son monde poétique qui réveille sans doute des sentiments partagés entre différentes cultures. Tu vois, il y a beaucoup de bandes dessinées en Belgique. Et surtout, Tintin et Milou sont très connus en Chine. Il y a d'ailleurs un petit garçon chinois dans les aventures de Tintin qui intéresse beaucoup les lecteurs chinois. Ce personnage, qui s'appelle Zhang, a pour modèle Zhang Zhongren, grand ami d'Hergé, un artiste qui a fait ses études à Bruxelles. Et je connais ici un peintre chinois qui a une histoire avec Zhang, Yao Yizhi. Jean Cocteau a également fait de la peinture à l'encre de Chine. Qu'en pensez-vous? Mon séjour d'un an en Belgique est une aventure passionnante dont je vais bien profiter. Lorsque je rentrerai en Chine, ce que j'écrirai dans ma thèse va véhiculer non seulement des souvenirs et des amitiés, mais aussi des passions partagées qui traversent le temps et l'espace.